bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Nous connaissons depuis le fait le ça, c'est l'émission pour l'un qui rentre la caillou, espace du savoir. Pas oublier ou sur le channel du savoir. Jeudi, en moi, y'en a qu'à là, y'en gros tonton garçon, dans lycée Moïsette Joachim, y'en kabbaliste qui pourra discuter avec nous de pays d'Haïti. Sujet nous pour jeudi, est-ce que Haïti a une dette karmique la payer? Parce que nous avons constaté, nous avons pile problème là, nous avons problème pour les pétroliers qui vraiment et vient tourner un casse-tête chinois pour nous. Nous avons problème logement, problème chômage, insécurité, kidnapping, bagaille exagéré qu'on y a problème nous vraiment grave. Avec kabbalisan grand pile bagaille, nous allons essayer comprendre, nous allons discuter, nous allons passer un bon moment. Ensemble, numéro espace du savoir, c'est 36 87 24 80. Soit envie de contacter nous pour participer à l'émission, pas hésiter, relez-nous. Judeline qui maquille, Max qui a assuré réalisation, yo. Dorinsky qui derrière caméra, n'a pas un coup de pause, restez connecté. Merci parce que vous êtes connecté sur le channel du savoir. M'a rappelé ou suivre espace du savoir. Je dis à moi, il y a Moïsette Joachim, nous allons discuter de pays d'Haïti. Bonsoir et Moïsette, comment est bienvenue sur le plateau espace du savoir. Amour et lumière avec Dorante Françoise. Amour et lumière à chaque abonné sur le channel du savoir là et toute fidèle avec émission Espace du Savoir. C'est un plaisir pour moi partager connaissance moi, partager de façon ésotérique ça qui passé dans pays nous puisque nous incarnés haïtiens. Donc ça qui représente nous comme haïtiens, c'est valeur historique nous, c'est attachement nous avec Tessa. Donc si nous avons attachement avec Tessa, nous supposé aller dans cause en tant que ésotériste avant nous prendre effet. Donc c'est un plaisir pour moi Dorante et moi très content avec nous, avec tout le monde, tout le staff, le maquilleur et mon capier réalisation. Moi content, donc moi tout merci pour l'invitation. Je pense que nous allons passer un très bon moment. Oui, oui, très très bon moment. Je suis en senti ça parce que l'énergie, en courant, passé. Nous allons discuter un peu, mais avant de commencer, nous présenter au grand public là, pour nous. Nous c'est Moïsette Joachim, nous prenons l'initiation sous nos LAS. LAS Moïsette, qui c'est nos initiations, LAS. Et nous, kabbalistes, mais avant que nous soyons kabbalistes, nous avons d'abord des connexions avec un esprit qui nous fait expérience avec, qui c'est un pile haïtien qu'on est sous nos Mambo La Sirène. De la Mambo La Sirène, nous faisons kabbal. De kabbal, nous entrons dans la franc-maçonnerie et nous avons grandi, nous avons fait expérience. Pour nous venir spiritualiste, pour nous venir offrande, nous sommes capables de dire qu'ils sentent bon dans les mots. Ok. Est-ce que vous avez l'école mystique? Est-ce que vous avez un set mystique? Comment ça y est? Nous avons l'école Kabbal, qui c'est BK, Bethel Kabbal Haïti. C'est là que nous formons plusieurs mondes. Hier soir, là, pas plus tard, nous avons initié un groupe de jeunes dans la Kabbal. Et nous avons une école de chiromancie. Chiromancie, c'est l'étude des lignes de la main. Côté que nous apprenons les mains. Et nous avons une école qui c'est Kabbal numérologie. Pour venir un numérologue capable de consulter les gens sur le plan kabbalistique avec les chiffres. Donc, c'est tout ça, c'est BK, qui c'est Bethel Kabbal Haïti. Nous formons un paquet de jeunes parce que nous sommes au temps du verso. Donc, lorsqu'on entend du verso, connaissance n'est pas secret. Les discrètes, mais pas secret. Donc, le temps du verso veut dire partage de connaissances. Et c'est okay. Ça que nous faisons en tant que maître spirituel, en tant que choisi, en tant que ouin. Ok. Bon, nous pourrons rentrer exactement dans le sujet. Nous connaissons le sujet aujourd'hui, c'est Haïti. Pays d'Haïti.
y a un certain temps qui était la perle des Antilles, mais là, vraiment, c'est déception des Antilles. Parce que ça, nous vivons là, les catastrophiques, problèmes nous en pile. Parce que moi-même, moi pas un monde qui fait sous Duvalier. Même toujours, tant de grands monde a dit, sous Duvalier, ça pas de comme ça. Et Duvalier père, ça pas de comme ça. Duvalier fils, ça pas de comme ça. Mais qui ça qui cause nous tout battre ça dans le pays? Premièrement, il faut que d'abord qu'on ait qui ça Haïti et lui-même comme énergie. Avant nous, tu gagnes égrégore sous ça, tu gagnes énergie sous ça. Nous-mêmes, nous venons en 1503, j'ai histoire dit là sur Nicolas Ovando, le débarquement des Noirs. Les nous venons, nous fait face, nous contrer avec un égrégore et nous portons l'autre égrégore nous-mêmes. Donc, Haïti en soi lui-même qui porte une énergie qui n'est pas une énergie subtile, qui c'est une énergie dense. Si on parle d'énergie dense, on parle d'énergie, tout ça qui est matérialisé. Dans la Kabbale, il y a le Bina, qui est la troisième émanation. Haïti vibre son énergie qui dense. Donc, dès que vous vibrez son énergie qui dense, tout ça que vous gérez n'est pas qu'à subtil, ça veut dire n'est pas qu'à légère, le supposé matériel. Donc, dans le cas d'Haïti, est-ce que nous matériels, parce que là, on parle de dense dans le mysticisme, il y a parlé de magie pure, magie qui dure, magie ésotérique qui dure. C'est ça qui fait nous avons une question corps société, yo, par exemple Champouel. Nous avons un Bingzango que nous venons jouer dans les Aztecs. C'est des corps qui durent, que nous avons, c'est dense, mais ce n'est pas des corps subtils. J'en ai une police nationale là, par exemple, qui sont corps subtils. J'en ai un tant d'autres corps, j'en ai d'autres ministères qui sont des corps subtils, qui gèrent des énergies subtiles. Mais Haïti, lui-même, c'est énergie dense. Parce que Haïti, c'est matrice. Là où est matrice, où est ça qui est capable de densifier, ça qui est capable de matérialiser. Or, Haïti, lui-même, il est là pour le matérialiser, il est là pour le densifier, il n'est pas là pour gérer le subtil, les choses légères. OK. Mais, où dit, comme si Haïti, c'est matrice, là. Mais tout ça, nous avons dit, depuis après 1806, maintenant, qui est à nous trouver, nous? Comme si pas bon façon même nous ca retirer tête nous dans position ça que nous y a. Alors ça m'a dit ou chaque pays, chaque terre a une forme. Et forme en géomancie qui étudie la géométrie mystique parce que la Kabbale dans le Zohar dit que au commencement Dieu géométrisa le monde. La terre est informe, Dieu l'a donné une forme. Donc la géométrie ça marche avec le verbe. Donc, Haïti, il y a une forme partout qui est en forme particulière parce que forme, c'est capteur d'énergie. Si nous prenons hexagramme, si nous prenons pentagramme, ou bien, quelle que soit forme, un cercle, 360 degrés, c'est un capteur d'énergie. Si nous prenons un triangle, qui c'est dans la Kabbale, le tricayas, c'est un capteur d'énergie. Là, prend la France, par exemple, qui a une forme hexagone. Tant d'autres pays qui gagnent des formes, ils sont un capteur d'énergie. Mais Haïti, dans tout ça, c'est qui forme les gagnants d'abord, qui fait nous dire son matrice. Haïti, si on est capable de bien garder le cadre géographique, Haïti gagne forme, il y a une bouche. Il y a une bouche qui est ouverte. Il y a une bouche pour les gens qui étudient l'anatomie occulte de l'homme, connaît que bouche lui représente matrice. Or, bouche, c'est là-dedans que bon Dieu habitait. Parce que bon Dieu, c'est elle. Donc, là, dit bouche ou dit matrice ou dit deuxième lettre hébraïque là, qui c'est Bethel, Beth, la deuxième lettre hébraïque qui c'est Bethel, la maison de Dieu. Donc, on est capable de remarquer que dans l'anatomie occulte de l'homme, dans le l'homme constitué, l'air où Dieu est lié à l'intérieur de vous-même, c'est parce que la parole, tu l'as. La parole est Dieu. Au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Or, qui côté la parole habitait? La parole habitait dans bouche ou? Parole sortie dans bouche. Donc, bouche, c'est matrice là, c'est bête là, bétel là, la maison de Dieu, et la parole, c'est Dieu. Donc, Haïti a cette forme là. La forme d'une bouche, la forme d'une matrice, forme d'un vagin, toute la forme d'une matrice. Donc, si Haïti a une forme d'une bouche, Haïti, c'est matrice là. Haïti, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est une raison mystique qui fait que Haïti, il y a avec toute connexion ça. Parce que, dès que un monde a géré courant, si nous prenons exemple un courant, courant sont mal utilisé, il est capable griller, il est capable sauter à faire. Donc énergie c'est courant, bon Dieu son courant. Quand il y a la parole ça, là que vous répétez une série de paroles qui pas saines,
en série de paroles qui pas pure. Donc ou vinn sale la maison de Dieu. On a si n'a prêté sur le plan danse, sur le plan physique là, mais nous sommes tous d'accord que notre pays est sale. Sale que au niveau de paroles que n'a prononcé, mais sale tout que au niveau de principe zaka que n'te gagne qui se fait combite pour la terre nous manger, mais nous plutôt exporter en série de coton, en série de peau et qui pour sale terre là, matrice là. Donc si nous sommes tous d'accord que notre pays est sale, donc la maison de Dieu est sale. Donc ce courant l'a brûlé nous. Courant ça l'a brûlé nous. Donc courant ça qui fait les sales là, saleté ça li au niveau physique et li au niveau spirituel. C'est qui parole n'a prononcé d'abord dans bouche nous. Qui parole politicien a prononcé dans bouche nous. Chaque parole prononcé c'est une énergie. Dans pays sérieux, les que moun nan li politologue la porter dans parti politique, yo orienté discours. C'est pas comme si tu as un parti politique comme ça ou prend un micro ou parler parce que parole ou li reflète énergie qui a dégagé sous pays. Or, Haïti encore le pire c'est la matrice. Ça veut dire que la maison de Dieu même c'est ici, c'est terre d'Haïti. Haïti qui forme yon bouche. Donc, si Haïti c'est la matrice Dorant, ou bien pour tout monde qui a gardé espace du savoir, pour tout monde qui a gardé espace du savoir bien sûr. Si Haïti c'est matrice, il est supposé capable densifier, il est supposé capable matérialiser. Parce que, ou d'accord que femme qui représente énergie féminine sur la terre pour ton matrice, pour le matérialiser, pour le densifier, nous toutes nous cap marcher sur terre cap parler. Donc si Haïti ca matérialiser, donc la terre doit produire manger. Et c'est ce qui fait Haïti est essentiellement un pays agricole. Mais aujourd'hui nous sommes tous d'accord que notre pays est sale, nous pas cap produire, l'énergie est sale. Donc notre Dieu en nous est sale. Chaque grain haïtien a une saleté qui a géré à travers cette matrice qui est sale, que nous pas propter sur le plan spirituel et nous pour nous propter pour nous sur le plan nous capable dire sociopolitique. Donc si ma comprendre tout ça sous dire problème Haïti c'est haïtien parce que c'est nous mêmes qui physiquement c'est nous mêmes qui vivons sous terre. Donc ça qui sorti dans tête dans bouche nous contre paysan li comme si comme des cas dit ça li attaquer paysan comme si comme li toucher paysan ça n'a qui a sorti dans bouche nous positivement négativement comme si en par exemple ces derniers temps moun yo toujours vin à un banc de prophétie mais prophétie ça yo c'est des prophéties de malheur comme si pas m'entend rien de bon ça tout li affecter paysan dans façon saute parler et puis Jean politicien ou a pas agi tout ça tout li affecter paysan donc juste pour mando, est-ce que problème Haïti c'est haïtien? Est-ce que c'est pas nous-mêmes en soi qui problème non? Est-ce que travail là pas ta supposé fait non nous d'abord? Problème Haïti son problème Bereshit. L'aime dit Bereshit. Langage métis là dit Bereshit mais ça veut dire le commencement. C'est Genèse question. Si n'a prêté dans langage pas nous, n'a dit problème Haïti c'est Guinée. Guinée veut dire le Bereshit veut dire le commencement, Genèse, à savoir la source. Guinée, c'est la source. Donc, si on a prêté dans la traduction ou bien dans le langage ancestral là, au lieu de nous dire Bereshit, qui c'est le langage kabbalistique là, on nous dit c'est Guinée, la source là. C'est qui ça lié? Il fait le commencement. Tout ça que vous avez monté, toute forme que vous avez tracé, vous avez une énergie que vous avez fait, que vous avez attribué ensemble avec elle, ou t'es approprié ensemble avec elle et énergie ça, l'été là pour te gérer telle façon. Donc, on nous fait on retourner pour nous voir est-ce que problème Haïti c'est haïtien ou est-ce que problème haïtien, est-ce que problème Haïti c'est source la même. Donc, source Haïti, il commençait à partir de Bois-Caïman, de cérémonie ça. Ça c'est source Haïti. Avec l'homme qu'on appelle que tout le monde connaît Bookman, qui signifie l'homme du livre. Bookman, en tant que nèg qui t'a géré ce qu'on appelle la haute magie, monsieur arrivé comprendre que pour effacer un pays, il faut qu'il entre dans l'égrégore pays. Or, l'égrégore de ce pays, c'est énergie façon que nous pensons. En nous prenant par exemple la France, qui à travers te géré un pacte sur le plan astrologique avec esprit qui a géré planète Mars, là, la planète rouge, planète de la guerre. Que li symbolise que tout monde capable par un coq rouge. Bookman qui comprend ça étant fait trocage là avec eux, aller dans esprit ancestral qui c'est Orisha,
que nous journée jeudi à la nourrir au bout, c'est un nourrisha. L'iliel avec ce même coq, craser les Grégoire qui te chita dans la Marseillaise, tu vois, Marseille, planète Mars, la Marseillaise, craser. Et il prend coq ça et seul monde qui te présent dans la cérémonie Bouakaï même ça, qui te gagne corps pour te recevoir manifestation que Boukman t'a fait, cet homme s'appelait Jean-Jacques Dessalines, qui te manifestait que t'es adombré de énergie martienne, ça, planète Mars, ça. C'était Jean-Jacques Dessalines. Ça qui vient de passer par la suite, t'es gagné un contrat qui t'est signé, qui est un peu l'ésotériste capable de dire, c'est la question de Guinée qui s'est sous cela, l'issue tribu royale, la tribu radar, donc c'est tribu qui doit diriger. Mais planète martienne, hein, par rapport avec connaissance Bingzango qui est Aztec là, ben nous, que nous allons faire la guerre Makanda, que nous allons essayer de faire la guerre avec tout. Lui-même, il est là pour faire la justice, pour faire la guerre. Et c'est de là, pas que ça parti, tu vas voir avec Toussaint, pas de cagé en libération totale, parce que Toussaint, c'était la tribu royale, tribu Rada. Dessalines, c'était tribu Pétoua, tribu Chambouel Bizango qui va faire ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance, bataille vertière là. On regarde Capoua là, on tourne 3-4 nègres en seul coup, sauf français. C'était dimension Chambouel là, qui t'a fait la guerre. Chambouel là, dans le pack là, t'es là pour le goumé. Et immédiatement, qu'il finit le goumé, pour le retirer col, pour le bail guinéen diriger. Donc, s'il s'est sous cela, on va comprendre que, t'es ça qui gagne énergie déjà, qui t'a géré par la question de Bingzango avec Aztec, parce que Aztec, t'es gagné Bingzango, hein. C'était avec Pied-Bois qui aurait les grands bois, qui te voulait dire bon Dieu en dedans il là, qui était con, initié un série de soldats sous Pied-Bois, ça qui représentait pas un Pied-Mapou. Parce que grand bois, c'est pas son énergie que nous venons jeunes là. Nous pas sortir avec en Afrique. C'est pour les Aztèques. Yo géré question Bingzango avec, yo prend écorce bois pour yo faire flèche, yo prend feuille bois pour yo faire poudre pour soldats yo et pour yo faire guérison pour soldats dans camp yo qui blessé. Aztec yo partager connaissance ça ensemble avec nous. Et puis nous faire la guerre ensemble avec lui. Mais puisque nous ces groupes de individus qui sortis sous débarquement des noirs en 1503 sous Tessa, c'est nous qui va diriger Aztec yo disparaître. Donc nous supposer aller dans sous nous qui c'est Guinée hein, Birichit là en Afrique pour le diriger parce que c'est nous qui va le diriger. Mais Egregore t'a géré Tessa, nous bali pour faire la guerre parce qu'il était sous Tessa déjà, il supposé combattre pour le reprendre Tessa. Non mais colon. Et puis nous-mêmes puisque c'est nous-mêmes qui voulons gérer ça qu'on est là, n'a géré avec connaissance nous qui c'est connaissance guinéen. Mais c'était pas le cas. Yone wè mystique qui Dessalines fait, il continue à diriger pays à travers Pétou. Or, mouvement Chambouel là, mouvement Pétou, il là pour faire la justice, genre que ça fait dans certains pays en arabe par exemple, ou après que on monde pour juge faut si on monde t'a juge dans pays d'Haïti, faut qu'on ait connaissance Chambouel. Faut qu'on regarde monde ça pour connaître la baie menti parce que Chambouel c'est question de jugement en Algérie. Et puis question l'armée. Ça veut dire aucun autre pays pas capable d'attaquer sous base Chambouel. Donc nous détruisons, nous balons l'autre mission qui s'est dirigée et puis Guinéen qui c'est la source, le Berichet, nous rejetons. Donc problème Haïti, c'est n'est pas haïtien en soi, mais l'Isséon et ouais un mystique capital qui t'est fait dans Boakaï maintenant que dès le départ notre empereur n'est pas géré. Et qu'on y a là, certains mysticistes, il y a des difficultés pour retourner parce que pas que ça, heureusement, il est fermé en 2020. Il est rebalancé le 14 août 2021. Nous connaissons l'histoire. Donc, c'est qu'on y a là, c'est les mysticistes de ce pays qui pour aller retourner dans ce sens-là et puis comprendre la question Birichit là, comprendre la question Guinéen pour diriger. Donc, il y a un pays, il est géré sous base contre lui. Tout comme, pour finir, les États-Unis qui gagnent contre allié avec Pluton, les gérer pays li sous base Pluton. Nous-mêmes nous gagnons contre nous avec planète Mars, n'a bonne pays ya, n'a sécuriser pays ya avec planète Mars et quoi Bizengoa, quoi Chambouel là et puis Guinée li doit diriger. Donc Haïti a toujours un problème tout autant que la justice pays ça pas élevé sous plan Chambouel là, sous plan Bizengoa. Tout comme la Bible dit la justice élève une nation. Mais Bamzo, qui je nous pral faire pour nous réparer erreur ça? Est-ce que tout ça dit yo là tout nèg qui gen pouvoir nan men yo qui ka fait ça yo, est-ce que yo gen connaissance de ça yo tout? Moi quoi li écrit clairement dans la Bible que on pays que ba yon ti moun dirije condamné. Donc ti moun sous plan symbolique là, c'est pas un ti moun l'âge.
li l'âge tout parce que j'ai un frère t'a dit dernièrement la question de Duval est 18 ans gain t'en fait un tort li l'âge tout mais li niveau spirituel qui niveau connaissance ou gain est-ce que dirigeant nous à la hauteur parce que si on bagaille que pour m'expliquer il y a ce qu'on appelle le mode des causes et le mode des effets et loi scientifique qui gère là c'est cause à effet. Le monde des causes, c'est le monde du haut, appelé ou encore communément appelé le monde des incarnés, le monde céleste. Et il y a le monde du bas, qui c'est le monde des effets, communément appelé le monde des vivants. Donc, tout ça qui a passé dans le monde du bas, c'est reflet en l'air. Si par exemple, en l'air, ou pas travail, ou pas travail en bas. Si en l'air, ou malade, il y aurait ça, le yekida. Aspect au monde qui est en l'air dans le monde du haut, c'est l'aspect de yekida. Si yekida, par exemple, si vous besoin marier avec un monde, faut que d'abord sur le plan mysticiste, elle fait mariage ça, céleste, elle fait deux yekida monde ça au marié. Ça veut dire que c'est cause là pour faire gagner, pour non. Faire exister, pour joindre effet. Faut capo. Si vous marier avec un monde, faut mariage. Non, m'a parlé de magie. Oui, faut que yekida d'abord, j'en dis là, faut que astral. Qui genre monde n'a fait connait pour faire ça. Bon, à travers connaissance, là la consulte on met au monde qui connaît. Okay. Et pas tout le monde qui connaît. Non, c'est pas tout le monde qui connaît. Ça, c'est des principes spirituels. Donc, c'est ça, ma parole, le monde des causes et le monde des effets. Faut qu'on fait cause là, exister. Donc, ou pas qu'à juger effet, sans que, ou pas aller dans cause là. Donc, c'est les mêmes lois scientifiques qui ont les causes et effets là. Et ces principes ça, mysticisme là, relié, tout ça qui en l'est, tant que ça qui est en bas. Donc, monde cause, monde effet. Eh bien, si n'a prêté sous question là, monde des causes là, c'est partie astrale Haïti. Est-ce que le contrat qui a été signé au Bois Kaimam, est-ce que le principe Bereshit, le principe guinéen, source divine, est-ce que les païens lui-même ont tendance à virer devant nous et virer devant nous, veut dire que nous avons connu toutes sortes de douleurs, toutes sortes de souffrances, donc toutes sortes de calamités. Donc, qui est différent de yon pays lui-même qui comprend source li, qui comprend devenir li, comment faire gen possession de ça pour le pas griller, pour le capable gérer de ça. Est-ce que ça pas fini? Pas privons le, est-ce que ça pas fini puisque on dit il était fini 2020, li renouvelé 14 février 2021. Alors nous capable dire la cérémonie du Bois Kaimam li d'ode mystique mais li pas totalement au contraire, li d'ode mystique qui ça me dit. Tout ça qui est d'autres mystiques, il y a ce qu'on appelle le temps magique. Donc, il prend un temps. C'est vrai que il prend fin 14 août 2020. Il y a un pile maintenant pays qui est conscient de ça, qui a parlé de ça. Et un pile maintenant pays qui connaît que 14 août 2021, il a besoin d'une réaction. Il n'y a pas qu'on ait un tremblement de terre. Il n'y a pas qu'on ait besoin d'une réaction, mais il connaît qu'il a besoin d'une réaction 14 août 2021. Parce que, à cause de PAC, ça n'a pas respecté, puisque le PAC, et d'abord céleste parce que Bookman comme l'homme du livre c'est haute magie qu'il t'a géré la question de la haute magie donc puisque il t'a géré la question de la haute magie monsieur était tout dans l'astrologie tout et ça fait où elle prend planète Mars et monsieur tellement intelligent pour me faire une parenthèse pour m'expliquer abonné chaîne du savoir qui a regardé espace du savoir ça Mercure gérer évolution sociale par exemple dans si on travaille au besoin prendre une échelle une évolution sociale. Donc, sous plan astrologique, il va faire un rituel qui correspond avec planète évolution sociale là, qui c'est Mercure. Mercure dit esclavioté esclave, passer à citoyen libre, son évolution sociale. Monsieur prend avec connaissance haute magie, il prend planète Mars, il vibre sous Mercure, sous planète évolution sociale là. Ça vibre le bon jour et jeudi dans notre tradition noire. Ce même au goût vibre sous planète Mars, nous prenons sous Mercure. Nous disons c'est Mercure. Ok? Donc, ça c'est évolution sociale. Mais est-ce que ça pas fini pour Haïtien? Faut qu'on ta comprenne devenu nous et qui vient pour nous prendre évolution sociale nous par rapport avec Tessa et par rapport avec Cérémonie Bois Kaimam ça. Mais pour nous prendre, faut que nous retourner avec un série de maîtres, par exemple, cimetière de Port-au-Prince, cimetière dans le Nord, gain de travail, un série de maîtres t'a dû faire, canaliser un série de énergie, prendre entité Makanda yo qui t'a fait la guerre placer yo grand pile maintenant des cap dit c'est rejeter yo c'est pas rejeter yo placer yo côté pour placer parce que entité ça yo là pour boumer contre ennemi pour vous et puis au même pour le déterminer à travers pas parce que mais qui ça contrat ça besoin tout contrat que ou pas respecté l'elle fini
li va le refaire tout encore parce que lui-même li dit li grand go. Parce que qui j'en pour nous yon énergie, c'est en respecter mot, respecter mot, respecter énergie qu'on va li a. Ou à comprendre que pour nous pour indépendance, pour indépendance santé possible, faut ou te gagner yon énergie féminine parce que c'est énergie féminine là qui capable matérialiser, donc capable dire qui capable densifier les choses. C'est-à-dire que pour faire magie, pour le danse, pour le réel, faut que c'est énergie féminine là. On appelle ça la bourrasse noire, le cave small, la bourrasse noire. Donc ou après que yo obligé faire appel avec une énergie femme, mettez côté planète massa que nous relé le dantor par exemple, mais qui gagne toute qualité non, qui va le faire, qui va lui-même faire indépendance là possible parce que c'est lui-même qui représente matrice là. Parce que c'est quoi l'énergie dantor? C'est la troisième émanation, c'est la manifestation du Saint-Esprit, l'énergie dantor. C'est qui ça lié? C'est troisième émanation que kabbaliste là relé Bina qui fait création. Bina dans ap kabbalistique là colorié en noir. Et partout dans le monde, il prend sphère ça qui colorié en noir là, il représente comme la mer cosmique. Par exemple, l'initié en loge en cabale, les initiés, ils mettent chapeau noir, ouais que il est le fils de la mer cosmique, le fils de la veuve. Car le chapeau noir représente sa mère, donc qui c'est la compréhension divine, l'elfine de connaissance qui fait un sage là, donc il a maintenant la compréhension divine qui c'est l'énergie féminine. Il est le fils de la mer cosmique. Partout dans le monde, il est l'énergie Shekina et nous capable dire la Vierge noire, ou nous-même nous il est le Danto. Nous représentons le même genre, mm-hmm. On forme noir, on Timoun nan mel. Mm-hmm. Forme noire, c'est matrice là, car la matrice est noire. Timoun nan, c'est monde qu'il fait. Ça veut dire que Dantor, c'est la troisième émanation qui fait création. Le Saint-Esprit. Troisième émanation que la Kabbalie, pour toute Kabbaliste, Kabgade Mio, relé le Bina. Quand il y a l'aile de sang, il permet une libération possible. Pas oublier que, quand on peut partager, donc, il affaiblit et Grégo, ça, la France reprend et Grégo, donc, c'est comme si on t'a dit, j'ai affaibli au goût, là. Mais l'énergie d'un temps, à travers défiler la folle, reprend folle. Il reprend force, pardon. Et force qu'elle reprend, non? L'iboual reprend force après un cycle de plus de 200 ans. Ok? Après plus de 200 ans, l'iboual reprend force le 14 août 2021. Talu, moi, ou focus en pile sur 14 août 2021, nous connaissons un tremblement de terre qui était passé dans le Grand Sud. Très bien. Est-ce que lui vraiment a un rapport mystique? Non. Pas oublier, moi, il y a ce qu'on appelle le monde des causes et le monde des effets. Pour mystique là, pour kabbaliste là, li pa pral garder effet là, li pral garder cause là. Donc moi-même moi dans cause là. Donc scientifique là dans effet là, li ou un tremblement de terre passé. Mais nous les mysticistes, nous sommes dans la cause. OK? C'est dans le monde des causes que nous aller d'abord pour nous garder qui ça en bas, qui ça qui fait li refléter en bas. Donc ça qui fait lui refléter en bas, c'est cette énergie féminine qui lui-même frappe pied, qui matérialise, qui voulait reprendre contrôle pays là, et la prend contrôle pays là avec une énergie que Aztèque ont côté quitté pour nous quitter là, quitter aller, qui relait le One Goal. Qui ça One Goal hier? One Goal là aller après l'assassinat de Dessalines, c'est l'acheter sa balle sortie One Goal ou aller qui doit venir ouais mon corps. Mm-hmm. One Goal était là pour gérer ça et propter pays là, retirer ça le pays. Donc après départ de Chapcor en Péréa, il y a l'énergie féminine, ça n'a pas marché sans Wangol là. Et bien, lui-même, lui averti qu'il a tourné, vient diriger à travers cet esprit Wangol. Nous voyons si ce point chanté Wangol ou Ali qui l'a va venir ou Moko, l'a retourné face avec l'énergie féminine. Et on va comprendre que le 14 août 2021, souffert sur le plan numérologique, on va voir que le chiffre que l'a baoua, lié avec l'énergie féminine. Et énergie féminine nan nan sud qui c'est li même li gen nou capable dire nan sud ou capable prendre 10 communes là-dedans et 3 arrondissements cap bon le chiffre 13 car pour numérologue connaît le chiffre 13 c'est le chiffre de la femme donc li manifester là parce que le départ ou bien chute pays ça li commencer à travers le sud donc le sud qui cause l'assassinat de l'empereur de Saline donc la pri commencer avec. Donc pour le recommencer pour énergie très sale, il te prend forme pour le prendre, faut qu'il te ouvert bouche la mort très fort. Donc là pour l'ouvrir bouche la mort parce que énergie très sale c'est énergie la mort. Donc pour l'ouvrir bouche la mort très fort ou bien très large, faut qu'il prenne à travers un homme puissant. Or tout mystique qu'on est dans le pays, là que un roi un président mouri, bouche la mort il ouvre plus fort pour le traîner des monde d'elle, pour le traîner en catégorie des milliers de monde d'elle, OK? Donc c'est à travers le site qui ça après commencer encore pour que énergie très sale de venir contrôler
le pays encore à travers cette énergie qu'on colle. Donc notre problème, c'est la source, c'est le birichit, c'est le bois caïmum. Donc erreur qu'on te fait, c'est distinguer Guinée pour diriger et Pétroa qui pour faire la guerre, qui pour faire justice là. Bon, moment arrivé pour nous prendre une dernière pause nous, là nous venons parce que moi mentionné en pile et énergie féminine et m'a besoin qu'on ait ce qui vibration Haïti et puis nous pral parler tout de causer de le président mouri, faut le traîner en bande monde là, l'important pour nous connait, n'a pas un coup de pause, restez connecté sur channel là. Merci parce que vous êtes connecté sur le channel du savoir. Vous suivez Espace du savoir. Nous avons Kaila Moïset Joachim qui vient parler nous de pays d'Haïti. Nous tournons à proposant, oui, là. Nous allons rentrer exactement dans cause et vibration. Moi, vous focus en pile sur énergie féminine, tout qui vibration Haïti. Non, vibration, c'est pied gauche. Vous avez ça, vibration de la rigueur. Vibration de la sévérité. Donc, dès qu'on a une vibration de la rigueur, on a une vibration de la sévérité, on a une vibration énergie féminine. Donc, Haïti, il vibre sous vibration féminine, sous énergie féminine, parce que dès le départ de l'émission, on a dit que Haïti, c'est la matrice, c'est le bête. Or, le bête, qui est le deuxième métébraïque là, c'est énergie féminine, c'est matrice là, c'est énergie féminine, le bête. Donc, Haïti, puisque c'est la matrice, elle a la forme d'une bouche qui se forme une matrice. Donc, Haïti, c'est l'énergie féminine. OK. Là, on nous rentre exactement dans la cause. Nous connaissons bien si un président mourit dans un pays, comme s'il a traîné, il y a un bon monde derrière. Et vous parlez tout de chiffre 13, vous dites que c'est chiffre de la mort. Pas vrai? Chiffre de la mort, chiffre de la femme. Car la femme représente aussi la mort. Comme élaborer pour moi, manquer comprendre. Parce que nous sommes ou vin triste d'un coup. Non, je suis triste. Parce qu'on parlait de la mort qui fait. Non, pas fait ça. Ou bien triste parce qu'on parlait de la mort, même pas pour le mourir. Ou qu'à parler. Ok, non, pas pour le mourir. Non, l'homme qui a ça 30 jours d'avance. Okay, comment ou est ça? L'homme qui a le mourir, ça 30 jours d'avance. Parce que Nechama, il peut voir ce qu'on a dans le monde. Nechama, il est allé vers l'est, il peut 30 jours. Comment expliquer? Avant de nous rentrer, non, ça important. Avant de nous rentrer, expliquer. Chaque monde a 5 aspects dans le monde. Donc, troisième aspect, c'est le Nechama. Il y a un monde qui mourit, il mourit 30 jours d'avance déjà. Ce n'est pas un jour qu'il mourit, il mourit. Donc, Nechama, il prend direction vers l'est, il prend 30 jours pour le rêver. Donc, dès qu'il arrive sur le 30e jour, il mourit sa bagaille, la vie pour lui encore. C'est ça qui fait qu'il y a un monde qui connaît, il mourit, depuis qu'il ne peut pas crier, parler, fermer toute porte, il vient. Donc, il va le camper, face à l'est. Donc, j'ai dit Jésus campé côté soleil, il vient d'identifier à lever. C'est Nechama, là, le à l'est. Aspect dans comme ça. Depuis Nechama pour courir à l'est, côté soleil levé, pour l'aller, pour le conclure. Donc 30 jours d'avance, il y a un jour, les anges de la mort qui fixent égal sur le monde dans le Cap Gadel. Ce n'est pas un jour où il mourit, mais il mourit 30 jours d'avance déjà. Et là, on mystique garder le monde, là, pour qu'il mourit 30 jours d'avance. Et là, pour identifier qu'il mourit, il va l'identifier à travers l'aspect température corporelle, aspect ça, il y a le Duna. Dans 5 aspects, il y a l'aspect ça, le Duna, qui c'est l'aspect température corporelle. Et ça, il faut après, le plus souvent, un médecin qui est en train de garder les gens, est-ce qu'il frette, parce que Duna, depuis l'année, il y a une tendance à en frette, parce que c'est lui qui gère l'aspect corporel. Donc, depuis que les gens mourir, un jour, la mort, il fixe les gens, 30 jours d'avance, et puis, il dit que les gens vont mourir. Donc, s'il y a des interventions de route magique, route mystique. Et qui j'en veux? Bon, moi, en forme. Pas gagné. C'est juste pour rire, on continue. Oui. Nous t'as parlé exactement de chiffre 13 et puis nous t'as parlé tout de cause président. Est-ce que c'est parce que président nous a quitté la mourir qui cause toute turbulence ça, puisque on dit de président mourir t'as traîné un bande monde. OK. Si nous pas mélanger bagaille, n'a dit que chiffre 13 là, c'est chiffre en numérologie, c'est chiffre de la mort, c'est chiffre de la femme. La femme représente la mort, ce n'est pas la mort négative en soi. C'est la mort qui cause un équilibre avec la vie. Qu'est-ce que ça veut dire?
pour gagner la vie, il faut gagner la mort. Puisque femme, c'est le principe la vie, donc femme représente la mort. Car c'est dans la vie, il faut tirer la mort. Le principe qui fait Père et Ève allons manger pomme, représente la terre, symbole terre là. Qui fait le manger là, qui pote la matrice pour celle-là. Donc c'est le principe qui dit que l'irrévaler ou encore, il dit tuyau parce que c'est la mort, et puis pour le repousser encore pour la vie. Mm-hmm. C'est ça qui fait sur le plan astrologique, familier avec planète que les planètes Saturne. Ou après tout astrologue, planète Saturne sont planète qui fait petit et qui mange pour petit parce que c'est planète qui doit la vie. Vous comprenez, il faut qu'on mourre pour rien qu'à nous. Sans l'amour, pas gagner la vie. Et l'amour, c'est lui qui fait gagner la vie. Moi, je dis, sans grand goût, pas gagner votre plein, sans votre plein, tout, pas grand goût, pas gagner valer. C'est équilibre, déséquilibre. Donc, femme représente l'amour, c'est équilibre la vie. Eh bien, chiffre 13, ça, il vibre sur Haïti. Haïti, il y a un mystère qu'il y a avec le chiffre 13 qui fait li lié avec l'énergie féminine. Soit vous regardez la seule femme qui prend pouvoir dans le pays, vous voyez, il fait un 13. Et en tas? Et en tas. Il prend pouvoir à un 13. Et moi c'est 13 mars je m'en souviens pas mais quoi vibre sous chiffre 13 ou pour que dans le nord-est nous gagne 10 communes 3 arrondissements 10 départements 3 îles ou pour que dans le sud-est nous gagne 10 et communes 3 arrondissements Haïti un peu partout vibre partout sous le chiffre 13 donc 13 qu'il y a avec chiffre là moi chiffre femme donc Haïti ça fait le mystère on regarde des planètes Saturne qu'il y a avec femme avec chiffre 13 côté le positionnel dans partie énergie féminine dans Kabbalah qui c'est Bina ou Bina représente encore l'énergie féminine. Voilà la question de un président qui est assassiné, pas qui mourit alors qui est assassiné. Nous dit que l'on président mourir, l'on roi mourir dans le pays, c'est porte la mort lui ouvert. Mais puisque l'énergie féminine besoin de diriger, donc c'est pas la mort pour le passer pour le diriger parce que c'est à travers la mort qu'elle a gagné la vie. Donc on pourrait que à partir de 2024 les que planète Saturne va l'entrer totalement pour le prendre siège sur le plan astrologique dans le signe du Capricorne. Vous supposez joindre une énergie fille qui très brillante dans le pays qui pour commencer prendre les choses en main parce que lui-même il doit préparer terrain ça pour jusqu'à 2036. Donc okay. Bon ça c'est encore des prophéties lancées sur Duvalier encore. Donc jusqu'à 2036. Donc au bout à partir de 2024 les planètes femmes dans la planète Saturne vont entrer dans le signe du Capricorne qui est le signe de cette terre. Donc, on voit que c'est une énergie femme. Pas même une énergie femme, non. À partir de 2022, il y a deux femmes. Il y a deux femmes là. Bon, il va prophétie, non, ma femme. Je dis ça, moi. Bon, deux... non, on connaît pays allié en mode prophétie. Non, là, je dis ça, moi, à travers le cadre du ciel. Là. Mm-hmm. Il y a deux femmes, on voit qu'il va prendre le contrôle de bagarre. À partir de 2022, il va gérer les questions spiritualité, il va gérer les questions politiques. Et 2024, il va émerger sur le plan politique. Pour commencer à préparer route là pour jusqu'à 2036. Donc si énergie femme ça, mais pour énergie femme ça, il reprend pays qui c'est l'énergie d'un temps, c'est à travers la mort. Donc l'amour c'est lié à la vie. Ou obligé qu'on grand révolution, ou ouais on paquet de monde qui mourit parce que bouche la mort ouvert. OK. Pour qu'on paquet de monde qui aller et puis à travers ces morts là, il va voir lumière par nous parce que l'amour qui s'allie, il c'est lieu de la vérité. Et pour ça on dit monde dans le lieu vérité. C'est dans l'amour ou dans lieu vérité là. La vie c'est sont partie ténèbre de la vie. Ça que on va vivre sous terre là. D'ailleurs l'homme mourit sous les 100 livres d'orate. L'homme mourit. On va kimbe tous les 100 livres mais pendant vivant là, on va kimbe deux pages dans chaque. Mais l'homme mourit si on gagne marou là, la coucher à fisso, l'homme mourit ou tout ça. Soit dans un jour qu'a vienne d'elle. Ça dépend des dimensions. Donc l'homme mourit ou toute bagarre que vous faites ça. Non, ça dépend de dimension. Donc l'homme mourit c'est lieu de la vérité puisque l'homme mourit c'est lieu de la vérité. Mais c'est à travers ces mots-là que Haïti va régénérer et suite à planète femme dans planète Saturne qui va entrer en 2024, mm-hmm. Donc on va louer un nouvel Haïti. Mais à partir de 2022, énergie fille ça va commencer à manifester parce qu'elle frappe déjà le 14 août 2021 sous plein contrat. Est-ce que vous avez une idée de femme ça yo? Une idée de yo, même pas parler de yo. Ou pas envie. Comme non, si c'est pas des. C'est pas moun, tout le monde connaît ni yo yé. Tout le monde connaît yo là, gen yo minimisé. Et vrai, tant que j'en moun yo minimisé m'nan. C'est juste pour rire. Et nous, m'a constaté en pile mètre, toujours dit ou Haïti c'est un terre qui sacré. Pour qui ça yo toujours dit et moussa? Haïti son terre qui sacré parce que. Les bon Dieu, c'est vrai ça me dit aller fort mais m'a expliquer. Les bon Dieu besoin éjaculer, c'est Haïti d'éjaculer. Le sperme c'est le rokma, l'énergie subtile.
Et puis c'est énergie subtile ça qui va bailler énergie féminine pour féminine capable densifier monde dans fait sept cieux. Et ce principe ça que Moïse parlait nous dans l'épice qui c'est la Torah qui c'est les cinq livres de Moïse dans Genèse qui c'est Bereshit là. Il dit que thème hébraïque là dit alors bon Dieu tire Isha en dedans Ish. À savoir bon Dieu prend le côté féminin en dedans Adam. Et bien ce principe ça que bon Dieu prend côté énergie féminine en dedans sperme là pour le matérialiser création, pour le matérialiser monde là. Or nous même garçons nous représenter énergie Okma, énergie subtile là et femme représenter énergie dense là sous la terre. Donc femme c'est la lune là, garçon c'est soleil là. Ou après c'est soleil là encore qui grosse la lune là qui fait création continue, la vie continue. OK? Ça c'est la lune là qui forme. D'ailleurs c'est pour ça l'expression dit avoir ses lunes. Donc tout le monde voilà, cycle de 28 jours. Maintenant cette énergie subtile qui c'est Okma li pas là pour faire rien, li là juste pour bail énergie féminine là. Donc puisque li là pour bail énergie féminine là, Haïti qui sacré a bon Dieu, voilà bon Dieu lui-même là l'énergie subtile là, li là gèl dans matrice monde là qui c'est Haïti. Donc les bon Dieu besoin faire passer un message li passer en Haïti. Mais qui ça me dit en un mot qui fait me dire Haïti son terre qui sacré. Président mouri en Haïti, son message qui lancé pour le monde. Dans les jours, dans les années, bon dit dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir, ou alors encore des présidents assassinés dans le monde là. Si Haïti prend l'oc par exemple son message pour le monde. Donc après l'oc Haïti ou corona l'oc le monde. Et tout ça qui passe en Haïti, tout grand maître, tout grand mystique tout ça, son message pour le monde. C'est ça qui fait Haïti lui souffrir plus parce que bon Dieu c'est la lague principale. C'est là l'éjaculé pour annoncer message monde là. Donc ou bra loin des présidents capable assassiner. Tremblement de terre fait Haïti ou bra loin provoquer un paquet de pays dans l'occident. Inondation fait en Haïti ou bra loin. D'ailleurs, sous songe 12 janvier, après 12 janvier grand pile pays subit tremblement de terre. Haïti c'est la matrice, c'est là message là passé. Et Dieu ça après Dieu d'amour là. Dieu de paix, Dieu de joie. Non, sérieusement. Question de Dieu lit dans plusieurs dimensions. Et il y a qui ça relé l'arbre kabbalistique. Et bien ça relie les sphères. Donc bon Dieu côté lié à lycée parti que relie Massadia à une souffle qui c'est commencement silence là total là. De silence là il vient un nom qui était pas de bon Dieu qui c'est Amwata qui c'est le quitter dans la cabale qui c'est je suis celui que je suis. Mais on apprend dans chaque tout temps la descend la bien un nom différent et la bien manifestation. Et bien les différentes manifestations de Dieu, on appelle ça les Elohim. Donc il y a Dieu et il y a les différentes manifestations de Dieu. Par exemple, sous prendre sous énergie féminine, lycée Jéhovah. Mais sous prendre par exemple, sous plan soleil là, lycée Eldarat va. Sous prendre sous plan Gibor là, sous plan justice qu'a fait la guerre là, lycée El Gibor. On appelle ça les Elohim. Chaque mystique, chaque spiritualiste, il a une connexion avec un partie dans Dieu. On comprend comment on relie ça? On relie ça les atomes et les monades de Dieu. On appelle ça les atomes et les monades de Keter, qui est je suis celui que je suis. Amwata, c'est comme ça que ça signifie en hébreu. Donc, les Elohim, donc, les hommes n'ont pas de connexion avec Dieu, mais ont de connexion avec l'ensemble des atomes et des monades de Dieu. Bon. Et ils ont les Elohim. Donc, Elohim n'a pas de jugement, l'elbo au côté gauche, mais gauche bon Dieu n'a pas de jugement. Et bien, type d'Elohim, ça va être à partir de sphère binaire, les mêmes, li là pour porter calamité dans le monde. Et partie misère, quand l'accès partie doit la gérer à travers Okma, li là pour porter la douceur, la sagesse. C'est pour ça. En pilini, c'est dans la Bible là. Les gens ont besoin de la sagesse de Dieu, ils ont invoqué le côté droit de Dieu. Ouais, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, c'est parce qu'il y a une différence entre le côté gauche de Dieu et le côté droit de Dieu. Donc, si vous apprenez le bon Dieu à mon là, donc, le Dieu, pas bon question de remettre ça, raïe ça. Bon Dieu, c'est le principe paternel, c'est le 1, il n'y a pas bon penchant. Il n'y a pas question de raïe voler, il remet les gens qui va voler, il raïe homo, il remet les gens qui gagne bib. Non, Dieu pas bon penchant. Mais si les atomes et les monades de Dieu, les différentes manifestations de Dieu dans les différentes sphères, appelées les Elohim, qui l'a pour une mission. Donc, il y a une mission jugement, il y a une mission calamité, et puis il y a une mission bonté, miséricorde, et soit avec les cabales ou après que chaque sphère ça. Il y a un nom qui est lié avec une mission, qui c'est les Elohim, on appelle les atomes et les monades de Dieu. Ok. On parle de, oui, Haïti, c'est un texte qui s'est créé ou dit, et puis ou élaborer pour nous comprendre, mais s'il sacré pour qui s'aligne dans l'état ça. Est-ce que c'est une punition Dieu ça qui choisit Haïti pour l'éjaculer là-dedans, j'en dis qui pour le voyer là-dedans, en façon pour transmettre message ça dans le monde là?
Vous comprenez? Est-ce que c'est seulement moi et ça qui a choisi pour le faire action ça? Nous imaginez nous kidnapping. Nan. Est-ce que son message nous veut bailler le monde pour gagner kidnapping dans tout l'autre pays? Tout ça qui passait sous terre ça, son message pour le monde. La question de kidnapping. Kidnapping, c'est qui ça lié d'abord? Si ma bêtise est sous plan mystique avant. Dans la Bible, bon Dieu, vous avez fait kidnapping. Sérieusement. Oh, les Moïse pour Moïse entre à le peuple la telle, bah, ça. C'est kidnapping, vous avez kidnappé un seigneur de soldats, vos espions. Bon Dieu, question kidnapping, les doigts, c'est une question psychique liée, ou des humains psychiquement, mais les doigts ésotériques tout. Kidnapping, où est sous terre, pays d'Haïti, son prophétie 7 qui lançait sous Duvalier, mais son bagage ou va louer qui va un peu partout dans le monde. Pour comprendre ça va un peu partout dans le monde, sur le plan astrologique, planète Pluton a fini en 2024. Donc, pays qui prend contrat avec planète Pluton, les supposés, après 2024, ou pas sentir le grand puissance encore. Ou va sentir la civilisation dragon, la civilisation jaune, la civilisation dragon, après 2024. Donc, puisque l'a fini, l'a régénéré, donc les planètes ça a régénéré, l'hypothé toute séquestration psychique, l'hypothé toute douleur corporelle qu'il y avait physique, parce que Pluton représentait l'enfer, planète l'enfer là. Donc puisque représentait planète l'enfer là, c'est Dieu des enfers, c'est une monade, un atome de Dieu dans l'enfer, eh bien, pour commencer, l'a commencé dans la matrice là. C'est comme si c'est sexe l'a fait là, et puis matrice l'a poté, Haïti a poté, et puis vous l'éjaculez, vous poté dehors. Ah bon, là nous faisons voir nous-mêmes comme on a pied. Non, on y a là ça, on m'a dit une prophétie, tant que tout le monde a fait prophétie. Bon, rapidement, m'a dit que nous-mêmes, c'est dans la douleur que j'ai averti ceux qui l'aiment. Les femmes, fin grosse, votre lit, mes grosses, ils passent toute douleur pour le passer. Ils poussent petites là. Mais après petite ça, c'est la joie totale, c'est la bonté, c'est capable de son contentement réel. Qui manifestait même dans foyer a commencé bon vie si pas de gain bébé bon bébé ou bien si tu gain déjà une nouvelle ti monde un nouveau bébé qui paraît dans caille là donc foyer a content c'est la joie donc immédiatement que Haïti il fin porter ça bay monde là c'est ça qui fait m'a tout dit que conseil de monde qui à l'étranger surtout en Amérique du Nord là si on monde capable bli les prophéties de Nostradamus et astrologue ça ou après il parle de on terre cap pouti toute douleur pour le monde là et l'elfine mette le dehors l'elfine prend toute douleur ça le monde va prendre douleur ça notamment en Amérique du Nord on passe en Amérique du Nord d'écraser qu'il y a une inondation qu'il y a un tremblement de terre j'ai qu'un pile cabaliste américain connaît le comprendre et a analysé sa maison blanche OK yo connaît yo comprendre ni donc Nostradamus qui sont astrologues parlait de ça li pas cité nous Haïti mais il parlait d'une terre à côté toute douleur ça pour le monde là donc c'est parce que dans chaque fin civilisation gagner yon douleur qui de côté parce que puisque a une régénération et bien régénération est supposée faite dans la douleur. OK puisque nous va changer de civilisation, n'a sorti de civilisation judéo-christianiste pour nous passer à civilisation dragon. Donc supposé gagner une étape douloureuse, c'est parce que son gros tout qu'il a donc l'a jambé il faut qu'on lève pio parce que son effort qu'on fait l'a lever pour jambé toi parce que c'est fini la fini pour recommencer une nouvelle vie. Donc Haïti li pote ça dans lui-même. Il va le pousser par le monde là et il va le que après Haïti c'est la joie c'est la bonté parce que en pile monde va envie tourner venir sur ça en pile diaspora va envie tourner l'exemple était très clair de venir en corona mais corona beaucoup ça 2026 2027 2028 monde va besoin entrer Haïti pile pas paquet Haïti va besoin entrer Haïti il pas capable entrer tout parce que j'ai bloqué depuis côté donc c'est voilà fait noir totalement dans monde là ou va prendre pile éclipse solaire ou va prendre en pile inondation et ou va encore des présidents assassinés dans le monde notamment en Europe peut-être dans notre pays là ça Haïti nous même n'a pas paix nous pas en paix n'a commencé processus la paix et moi dis que c'est à partir de 2024 okay. Parce que processus la paix qui est-ce qui écrit qui signe c'est président assassiné qui porte d'ailleurs net ça dans le lieu qui signifie sacrifice là l'hypothèse il descend dans le Baalaïm pour nous donc là il prend dimension pour nous et puis après il commence à préparer rien une série de contrats sur plan physique il coupé c'est pour monde qui va venir capable à l'aise c'était ça c'était mission ça
mission c'est pas l'été erré dans mission l'été comprendre que c'est mettre manger dans votre monde là dans poche monde quitter sa mission non mission c'était ça le gain là OK donc mission c'est ça le gain là préparer terrain pour monde qui va venir 2024 là et monde qui va venir 2024 là préparer le même processus la paix et puis pour processus la paix rebalancer à partir de 2036 j'en dis 2024 ça veut dire nous pas faire 2022 2023 là sans président. Au risque qu'on paye sa premier ministre, sa président, le chaos total. Ok. Donc, bah, il y a un cas grave dans les jours à venir. Bon, mettez de 17 octobre à 1 novembre, et l'énergie, à travers l'énergie féminine, Grégoire Dessalines, là, les gens qui ont fait nourrir, qui c'est la guerre, Dessalines vient pour faire la guerre, les éveillent à travers 17 octobre. Pour qui ça? C'est grâce encore avec ce président assassiné, Jovenel Moïse, qui comprend que li pa gen droit un président qui assassiné yo pa gen droit faire tout un jour de fête un jour de férié le 17 octobre donc c'est une date de naissance li pour aller profiter donc ça que nous sommes fait 20 septembre nous rebay force à l'énergie de Salinienne et li prend force à partir du 17 octobre et ou après dans la guerre tout le monde n'est pas d'accord pas qu'elle déposer fleur côté qu'on y a là c'est sous goumen li là Sénégalzam li et sous goumen li là l'a adombré en série de monde plus. Et pile zam sa yo ouè ou di ki kabral ki goumè kont pouwa ou bral le ki li bral komanse a goumè kont des ennemis à travers énergie de Salinien sa. Et 2022-2023 et à partir de 2024, Haïti bral komanse yon pays que tout moun bral senti ki sou changement et 2036 il sera un pays émergé. Mais j'en pays a gangsterisé la, comment nous bral? On pays gangsterisé, d'Haïti gangsterisé c'est parce qu'on croit li sacré. Parce que gangster, c'est plus une bénédiction pour Dieu. Sérieux? Là, vous voulez m'expliquer? Ou collez? Là, presque arrivé, vous allez m'expliquer. Expliquez-moi. Bandi, c'est plus une bénédiction pour Dieu. Parce que Tessa n'est pas faite sans l'ami. Donc, on ne va pas encourager. Non, on ne va pas encourager. Tessa n'est pas faite sans l'ami. Lorsque un pays, besoin de un pays, l'entrée dans l'Egrégopia. L'Egrégopia, c'est qui ça? C'est symbolique, c'est drapeau. C'est culture li, façon de manger, façon de parler, détruit production nationale li, et puis c'est la mille. Donc, ouè, ou krasé tous les trois symboles ça yo, à travers pétition qui ton templier français, yo fè le détruit énergie et Grégoire Dessalines nan. Donc, ou vin gen bleu ou sa qui couché ya, qui faut tant pour mouton kap dormi ya. Ou vin gen l'armée qui krasé à l'armée indigène nan. Donc, pays ça va gérer sans l'armée, sans âme. Et bien, puisque pays ça va gérer sans l'armée, sans âme, convèl ou non, les Makanda, les esprits Makanda, y a souvent adombré des moun avec des âmes. Donc si ouais si pas de gain là si pas de gangster ça sur le plan physique Haïti t'a gagné pour occupation okay. Mais processus là bloqué sur le plan astral à travers ces gangsters là et gangster ça yo yo gain mission yo dans les années à venir ou va loin importance toutes âmes ça qui en Haïti a donc yo Jean principe là dit tout ça qui fait c'est pas pour bien c'est pour mal ou bien si c'est pas pour mal c'est pour bien mais âmes ça yo entrer pour goumer contre nous hein, mais ennemi yo va le saisir que li va le goumer encore contre eux même. Parce que les gens viennent attaquer ou pas des armes ou pas faire des armes, mais heureusement, ils ont voué des armes sous terre là pour te combattre, pour te terroriser le peuple là, et les armes ça encore, ils vont servir le peuple là lui-même. Donc, l'armée gangster ça, c'est plus gros bénédiction pour Dieu qui est. Mais c'est dans la douleur que bon Dieu a averti les gens. Donc, gangster, ils ne peuvent comprendre vraiment la mission. C'est des gens maintenant qui adombrent avec des mauvaises énergies, des fèches dans le cimetière pour au prince là. Donc, mais au fur et à mesure, à travers les atomes et les monades des Elohim, de Dieu, ou alors que Zam sa yon encore, ou alors vous mettez contre nous. Donc, gangster, c'est plus gros bénédiction pour Jéthi Kabano parce que sur le plan astral, si pas de gain, Haïti tape pour l'autre occupation. Et, mon cap dit Haïti a une occupation? Non. À travers ces gangsters, non, parce que processus sale bloqué sur le plan astral. Depuis qu'il y a un monde qui a Zam dans le pays, qui fait gérer militaire, que li capable dire quel légal quel pas légal énergie là les prises et l'a empêché débarquement donc si nous t'ai gagné grand l'armée gangster ça en 2004 nous pas ta premier ministre donc après je venais toutes conditions étaient réunies pour nous pour un ministre encore mais zam qui présent dans pays là les bloquer sur le plan astral. OK donc problème Haïti les mystiques ou sociopolitique dernière question non problème Haïti les mystiques. Parce que nous disons que dans le commencement de l'émission, le mysticisme est allé dans le monde des causes avant que le monde des effets. Mm-hmm. Donc, question sociopolitique, c'est bah, l'offre de gérer question mystique pays. Mm-hmm. Ariel, on vit par la sécurité.
Mais sur le plan mystique, qui ça fait gangster? Sous besoin résoudre problème gangster, qu'on y a là, créer l'armée. Créer l'armée, initier sous principe chien là, faire numérologie qui type de nom pour bailler l'armée ça. Parce que je dis à l'Alba qu'il est indigène encore. Mais qu'on y a pas cherché un kabbaliste qui sont numérologues pour chercher qui nom pour bailler l'armée ça pour vous. Il va qu'à FHDH encore tout. Et puis, on résoudre question gangster ça. Parce que, ou te mette gen, pig, ou te mette chercher tout grand spécialiste, une formée police là pour vous. Il n'y a pas besoin de kabbaliser parce que le problème il donne mystique. Il n'y a pas reconnaître la police, il y a reconnaître l'armée sous ça. Ok. Donc, le problème à Haïti, les mystiques, les pas sociopolitiques. Parce que si c'est pour sociopolitique, nous tellement gagné qui fait doctorat, nous tellement gagné tout. Gagné président, gagné, puis faut président vin là, yo gagné, comme on te dit ça, yo gagné volonté. Mm-hmm. Mais c'est parce que les mystiques d'abord. C'est parce que le problème, les mystiques, donc le monde des causes, est supposé activer d'abord pour comprendre et faire. Sous besoin de comprendre et faire, c'est dans la cause là. Or, le monde des causes, c'est le monde des yekida, c'est le monde du haut. On nous même dans le mot du bas. Donc, si vous avez besoin de comprendre ce qui passe en bas, c'est à corriger ça en l'air. Bon, merci parce que vous êtes passé dans l'émission et Joachim, qui était le numéro de téléphone pour le grand public, là, pour nous, s'il vous plaît. Bon, le numéro de téléphone, moi, c'est 35 16 87 78. Le 35 16 87 78. Donc, c'est le numéro de ça. Pour le monde qui a besoin de contacter, moi, je suis prêt à toutes questions. Merci encore une fois. Merci Dorant, merci chaque abonné Chanel du Savoir et merci chaque abonné qui fait de l'émission Espace du Savoir préféré. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça. Vraiment apprécié le moment que nous passons. Je me sens énergie, je me sens courant et je pense que chaque grand haïtien doit tirer le son pour comprendre Bereshit tout sous devenir et pour gagner possession de ça. Parce que y en a pas qui va faire possession de ça, c'est qu'on bite là, Zaka. Fait manger pour terre à produire parce que terre assez. Vagin, c'est matrice là, donc il est capable de produire manger, il est capable de densifier les choses. Donc c'est un plaisir pour moi et m'espérer de rentrer pour une dernière fois. Merci encore une fois. Nous pratiquement arrivés à faire l'émission Espace du Savoir. Nous avons eu la Moïse Joachim qui est venu parler nous de pays d'Haïti. C'était une très belle émission. Numéro Espace du Savoir, c'est 36 87 24 80. Pas hésiter à contacter nous pour support ou pas hésiter à contacter nous. Pour si vous avez participé dans l'émission, ça. Max qui a assuré la réalisation, Judeline qui m'a maquillé, Dorens qui a guidé la caméra. Nous connaissons déjà, c'est Dorent François. Bon rendez-vous pour l'autre émission. À la prochaine.